Cette foule en noir célèbre le 41e anniversaire de la République islamique d'Iran. Nous sommes en février 2020. Le coronavirus arrive à peine, la tension est ailleurs. Sous le coup des sanctions, l'Iran s'enfonce dans la crise. Les élections législatives approchent et le célèbre général Qassem Soleimani vient d'être tué en Irak par une frappe américaine. Soleimani était le chef des opérations extérieures de l'Iran. Il passait pour le numéro 2 du régime après le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, à gauche, sur la photo. Soleimani pilotait des milices dans tout le Moyen-Orient. Beaucoup voyaient en lui un héros de la lutte contre le groupe État islamique. Dans les rues, son portrait est partout. Un martyr de plus pour la théocratie iranienne. En Iran, centre de l'islam chiite, depuis bien longtemps, on vénère les martyrs. Le mausolée de l'imam Zadeh Saleh est l'un des principaux sites sacrés du pays. Des pèlerins du monde entier viennent tous les jours pleurer la mort de ce descendant du prophète assassiné voilà plus de 1000 ans. En cette période de commémoration, l'affluence est à son comble. Dans le temps de l'inqilab des gens d'Iran, l'un des points importants de la lutte contre le régime Shah, این مکان مقدس بود که مبارزین در این مکان جمع می شدند و تظاهرات چند صد هزار نفری رو که از شمال تهران آغاز می شد از این محل شروع می کردند. Sur l'esplanade, un autre mausolée dédié aux héros de la République islamique. Six gisent des soldats inconnus tombés pendant la guerre Iran-Irak, des ingénieurs en physique nucléaire tués par le Mossad, selon la version officielle. Ou des miliciens tombés à l'étranger contre le groupe État islamique. Ces martyrs-là sont morts par erreur. Ils étaient étudiants et ne portaient pas les armes. Le 8 janvier, un avion de ligne essuyait un tir de missile au-dessus de Téhéran. Deux jours après la mort de Soleimani, la défense aérienne pensait frapper un appareil ennemi. Les 176 passagers sont morts dans le crash. Hadith porte le deuil de sa sœur. Selon la tradition iranienne, la jeune femme distribue des offrandes aux fidèles et mesure ses propos. En février 1979, l'ayatollah Khomeini rentrait d'exil et devenait le guide suprême de la révolution. Neuf mois plus tard, ses fidèles défiaient ouvertement les États-Unis. En novembre 1979, des centaines d'étudiants islamistes pénètrent dans l'ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage une cinquantaine de diplomates. Ils exigent l'extradition du Shah, alors réfugié aux États-Unis. La crise des otages a duré 444 jours. Le diplomate iranien Hossein Sherol-Eslam était aux premières loges. Il était le traducteur des otages. Aujourd'hui, il dit qu'il ne regrette rien et que les otages étaient bien traités. This is the ambassador's room. This is me. This is me. This is the Christmas night. Because the first thing Imam Khomeini said to us,
before even he okay what we did, he said the hostages are in your hand. You have to treat them well. This was a religious order for us. All of us, we want to go to heaven. That is why we do not play with these things. En prenant l'ambassade, les étudiants ont découvert un véritable nid d'espions. Les autorités en ont fait un musée. Dans cette cage en verre se tenaient les réunions sensibles des diplomates. Impossible d'y cacher un micro ou d'écouter des conversations depuis l'extérieur. Monsieur Sheikh Al-Islam était conseiller du ministre des Affaires étrangères en 2015, l'année de la signature d'un accord historique sur le nucléaire. Mais en 2018, Donald Trump, récemment élu, rompt l'accord et renforce les sanctions contre l'Iran. With Mr. Trump, there is no chance. I don't know in the future, but if America is what it is, if America is the one who elects Trump, I don't think we have the future. Sous pression américaine, le gouvernement doit aussi faire face à des explosions sporadiques de violence. En novembre, des manifestations contre la hausse du prix de l'essence ont été sévèrement réprimées. 300 morts, 7000 arrestations selon Amnesty International. Mais la République islamique compte encore de nombreux fidèles. En cette période de fête nationale, la mosquée Mossala de Téhéran fait ça le comble. Les journalistes étrangers détenteurs d'un visa presse sont bienvenus. Monsieur Karimi est là pour eux. Sympathisant de la première heure de la révolution, il ne rate jamais la prière du vendredi et encadre bénévolement les journalistes. The second sermon is about political matters. Every Muslim in each Friday prayer is aware about his environment and about the world and like this. By the Friday prayer, we believe that there is no separation between policy and religions. Whilst the words are the ideology of some Christian people, some Jewish people. Ce vendredi-là, c'est la journée officielle de la force aérienne. 41 ans plus tôt, ses plus hauts gradés plaidaient allégeance à l'ayatollah Khomeini. Derrière les hommes, à l'étage, l'espace réservé aux femmes. بهشون هدیه اهدا میکنیم که این هدیه که شما میبینید درباره گام دوم انقلابه که رهبرمون آقای خامنه ای این بیانیه رو خطاب به جوانای انقلاب اسلامی صادر کردن و بیشتر خطابشون به جوان هاست همه شبستان سرفان آماده پاسخگویی و ارائه Aujourd'hui, certains jeunes s'éloignent des standards islamiques. Ces deux étudiantes ont 19 ans, leur passion, c'est la culture pop asiatique. Toutes les deux portent le même prénom, Asti, Existence. I think it's new for people that see us in this kind of fashion and clothes. They didn't say anything to us, they're just staring at us and looking really bad. Ces dernières années, une certaine liberté a vu le jour en République islamique. Mais la police des mœurs veille et il y a des limites à ne pas dépasser. As long as you cover your hair and wear some long t-shirts or long dresses, it's okay. But when you take out your scarf or wear some boyish clothes that are short, it's crossing the line. Actually. Yeah, it's crossing the line and the police may arrest you. Régulièrement, les deux copines vont faire leurs emplettes au grand bazar de Téhéran.
there are some ingredients for making bracelets, earrings, or necklace. And I put them together and make very beautiful things. I choose the teenager things that they would love and make them to sell them. Yeah. Our style is getting more and more common in our country. And I think it's a good thing. Yes. Ces dernières années, les cafés branchés ont fleuri dans la capitale iranienne. Years ago, it wasn't really common to go to a cafe with your friends, both girls and boys. But now it's completely common, as you can see. En matière politique, en revanche. We have freedom in speaking, but we don't have freedom after speaking. But nowadays, teenagers have more freedom because of the social media. They can say their express words, express their feelings, say their words, and by the social media. But in the public, no, they haven't got any freedom of speech or something like this. Yeah. Sometimes, yeah, I agree with her, and but sometimes the atmosphere is actually really heavy, and you have to be careful about what you say, what you do, your actions, because every little action may cause you a huge trouble. So you have to be careful. Dans la foulée de la fête nationale, les Iraniens doivent élire leur nouveau parlement. D'après les sondages, les conservateurs l'emporteront haut la main. Les sanctions américaines ont fait le jeu des ultras. D'après ce candidat conservateur pour Téhéran, la politique iranienne du président Donald Trump sert les intérêts de son camp. Entre crise économique, affaires de corruption et tensions internationales, les réformateurs partent mal, admet cette candidate à Téhéran. D'autant que des milliers d'entre eux ont été exclus du scrutin par le Conseil des gardiens de la Constitution, cette instance chargée de valider les candidatures et proche du guide suprême Ali Khamenei. ناراحتی در این بخش بود که بخشی از کسایی که حالا سرشناس‌تر بودن و مردم ها رو می‌شناختن تاییدی نگرفتن. Transformer le système de l'intérieur sans renier les fondamentaux de la République islamique. Une mission difficile pour les réformateurs. Aujourd'hui en Iran, certains n'attendent plus rien de la politique. آخه هیچی درست نمیشه، همه چی داره روز به روز بدتر میشه. زندگی خیلی سخت شده واقعا تو ایران، همه دنبال مهاجرت هستن، جوان ها همه بیکارن، مردم دارن همه... گشتگی میمیرن. رای چطور بدن؟ چی بدیم؟ چطور بدن آخه؟ مردم راضی نیستن از این گیرونی، چقدر اختلاس. بس دیگه بابا، پدر مردم در آوردیم. لولا Sans surprise, le jour du vote, de nombreux jeunes et sympathisants des réformateurs sont restés chez eux. What do you say to the people who says that this election is not fair because many candidates are just if it's not fair, why people are here? Aux législatives du 21 février, les conservateurs ont remporté une victoire écrasante. Mais l'abstention fut historique. Malgré les appels au vote lancés par le guide suprême, 57% des électeurs ont boudé le scrutin. Au moment où étaient tournées ces images, le gouvernement n'en parlait pas, mais le coronavirus était déjà dans la rue. L'Iran a payé un lourd tribut à la maladie.
Au lendemain de sa défaite électorale, la candidate réformatrice Zahra Saïd est tombée malade, sans gravité. Le diplomate Hossein Cheikh Al-Islam, lui, a été emporté par le Covid-19 à l'âge de 68 ans. Pendant 3 mois, les universités ont fermé. Les deux amies se sont confinées chez elles avec leur famille. Aujourd'hui, elles essaient de reprendre une vie normale. No one knows about the world after Corona. You know, it's not like before. So I think some things are gonna change. But I hope that it's gonna change in a better way.